Ah bien, nous sommes au domaine de Joreille, voilà, pour l'époque de la distillation. La distillation qui est un élément important dans la vie d'un propriétaire récoltant, puisque c'est à partir de là que se finalise la récolte avec l'obtention de l'eau de vie. Voilà. Pour faire de l'armagnac, il faut du vin blanc, il faut un alambic, il faut du chêne, des barriques en chêne, et il faut du temps. Voilà, donc les vendanges se sont passées donc au mois d'octobre, on a recueilli dans du vin blanc, et là nous sommes en train de distiller un assemblage de folle blanche et de bacot, qui sont des cépages très traditionnels en bas armagnac landais. Nous sommes dans le bas armagnac landais, dans cette frange entre Landes et Gers, qu'on appelle aussi le grand bas armagnac ou l'armagnac noir. Voilà. Mais cette appellation grand bas n'est pas reconnue, disons, d'une manière législative, mais nous nous reconnaissons quand même entre nous. Voilà. Alors, là, nous avons donc un alambic armagnacais dit à feu continu. C'est-à-dire que jour et nuit, on entretient le foyer, en l'occurrence ici nous chauffons au bois, et on surveille la distillation. Jour et nuit, il arrive du vin dans l'alambic et il coule de l'eau de vie par un système donc de refroidissement des vapeurs d'alcool contenues dans le serpentin par ce vin blanc froid qui arrive. Je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de l'alambic. C'est tout simple. Ce n'est pas chimique, c'est physique. C'est un rapport de température, de mise en vapeur des différents corps contenus dans le verre, à savoir l'alcool et l'eau. L'alcool contenu dans le verre se met en vapeur à plus faible température que l'eau. L'eau du vin reste eau. Donc on dissocie ces deux éléments par un phénomène d'ébullition. Il arrive donc continuellement du vin dans un bassin, situé donc ici au-dessus de l'appareil. Ce vin, on en règle le débit par ses manettes. Ce vin froid, il remplit ses deux cylindres et va se faire cuire ici dans la chaudière alimentée. Voilà, il va alimenter la chaudière. Mais en arrivant, ce vin froid, il refroidit le serpentin. Il y a 66 mètres de tuyaux en forme de serpentin dans ces deux cylindres-là. Ces serpentins contiennent donc les vapeurs d'alcool et il est baigné par le vin froid qui arrive. Au contact du froid, ces vapeurs se condensent et l'eau de vie coule liquide. Mais en refroidissant, ce vin, par l'échange de chaleur, de température, commence à se réchauffer et arrive déjà à 65-66 degrés dans la partie chaudière. Processus donc continu du vin qui amène continuellement sa richesse, sa matière et le froid et une coulée continue d'eau de vie. Voilà, voilà le système de l'alambic continu. Ce vin blanc, cette année, cette récolte 2012, a été une très belle récolte, très très saine, mais il y a eu quand même une puissance assez importante du degré d'alcool dans les vins. Donc c'est des vins qui sont autour de 10,5 et 11 degrés. Bon, c'est très très bien encore, mais au-delà, nous aurions quelques problèmes des terres et des tanins un peu principales. C'est mieux de distiller des vins un peu plus faibles, autour de 9,5-10 degrés. Quelquefois même, il vaut mieux vendanger vert que trop mûr, pour avoir cette acidité qui gage d'un bon bouquet. Et de toute façon, les grandes années en Armagnac ont toujours été des années abondantes de jus, de vin. Lorsque la vigne n'a pas souffert, lorsqu'elle a donné, la nature a été généreuse, donc elle n'est pas venue contrarier son bon développement. C'est toujours bon que lorsqu'il y a peut-être quelquefois des vins assez élevés ou des aléas climatiques qui sont venus perturber une grosse récolte, une grêle, une gelée. Donc il y a une concentration supplémentaire, fatalement, si la récolte est moindre, et des degrés un peu plus importants. Et
cette barrique est pleine, nous allons transvaser l'eau de vie dans une autre pièce. Enfin, on appelle ça des pièces. Une pièce, c'est un fût de 400 litres propre à l'Armagnac et au Cognac. Généralement, la pièce, c'était un volume de 408 litres. C'était une unité même de mesure. Quand un négociant vous disait, je t'achète 3 pièces, je t'achète 8 pièces, c'était autant de fois 408 litres. Voilà. Aujourd'hui, les pièces sont fabriquées un peu plus grosses. Elles font de 420 à 430 litres. Celle-ci, je ne sais pas, elle fait 408, mais voilà, ça tombe bien. Voilà. Donc nous avons changé de barrique et on va mesurer là le volume qu'il y a dans cette barrique. Voilà. Donc on prend une jauge. Voilà. Et alors, il faut connaître pour ça d'abord la contenance, 410 ou 420, bon, 410 litres. Et on trempe une règle, voilà. Et on prend le diamètre sous-bonde, c'est-à-dire le diamètre intérieur, sous la bonde. On remarque comme ça, voilà, et on regarde le mouillé. Et il y a le mouillé, il y a, je ne vois pas, 52. Voilà, 52 de mouillé sur 80 sous-bondes. Il n'y a pas le cahier là, si. Alors, on refera ça tout à l'heure. Donc on répercute sur un cahier, sur une juge, au croise-saison, et à la table de 80 de mouillé, 52 sous-bonde, je pense qu'on va faire, il faut vérifier, autour de 340 litres. Voilà. Donc, on fait le point à 11h, 340 litres dans cette pièce de 420. On va prendre maintenant le degré d'alcool. Donc, on va prélever un échantillon, carrément, avec le siphon. Voilà. L'éprouvette. Voilà. Ça va nous permettre de connaître le degré d'obtention de cette eau de vie. Voilà. On prend un alcoomètre qui est là. On y plonge dedans, voilà. Et aussi, on met un thermomètre, parce qu'il va y avoir aussi là une correction à faire en fonction de la température. Si c'était à 20 degrés, nous aurions de température, nous aurions une lecture directe. Et je lis 55 degrés et un dixième à 18 degrés et demi. Alors là aussi, je vais chercher le cahier de correction. 55,1 à 18 et demi. Nous avons en degré réel de l'Armagnac à 55,7. Cet Armagnac titre 55 degrés 7. Voilà. C'est un peu fort, mais c'est bien pour le vin quand même, qui est assez riche cette année. C'est même une bonne attention, parce que justement, quand on a des degrés importants de vin, on est toujours amené à faire des eaux de vie assez fortes en degrés. Donc c'est très convenable. Voilà. La distillation se fait autour de 53,5 à 56,5. Voilà à peu près la fourchette des eaux de vie à l'obtention. Voilà. Donc là, nous allons marquer 11 heures à la craie sur la nouvelle barrique. Et normalement, dans 5 heures, 5 heures et quart,
nous allons produire 400 à 420 litres de plus d'eau de vie. Il faut à peu près donc 5 heures pour obtenir 400 litres, une pièce d'Armagnac, avec cette thermamine. Nous sommes au chai où sont entreposées les barriques, voilà, les barriques en chêne. Ces pièces de 410 à 420 litres. Où là, l'eau de vie va prendre du goût du chêne et la couleur du bois avec cet élément essentiel qui est le tanin. Voilà. Donc, on a vu donc la distillation. Cette eau de vie blanche est logée dans ces barriques. On a plusieurs sortes de fûts, de pièces. On a le fût neuf, le fût demi-usagé et la très vieille pièce, la très vieille barrique qui a plus de 30 ans. Si on met l'eau de vie dans une pièce neuve, on va lui laisser que 3 ans parce qu'il va prendre très rapidement le goût et la couleur du tanin, du chêne. Et au bout de 3 ans, on enlève cet armagnac et on va le loger dans une pièce très ancienne qui a 30, 40 ans, qui est neutre, qui ne sert plus que de récipient. Et la pièce qui a 3 ans, dont on la considère comme demi-usagée, on la re-remplit avec une nouvelle récolte. Il y aura encore suffisamment de tanin pour cette nouvelle eau de vie, pour 15, 20, 25 ans. Voilà. Voilà, on joue donc sur l'âge des fûts, ce qui permet donc un petit peu une maîtrise de la richesse tanin dans l'Armagnac. Donc le fût, il a donc plusieurs rôles. D'abord, c'est un récipient, c'est un contenant. On loge de l'armagne de l'eau de vie. Ensuite, il apporte sa matière, le tanin. Et aussi, son rôle primordial, c'est à travers la porosité des planches, des douelles, les alcools les plus violents, les éthers, s'évaporent. Ce qu'on appelle cette partie la part des anges. En vieillissant, l'armagnac perd de sa puissance d'alcool. La solution qui paraît être la plus intéressante pour l'obtention d'une bonne qualité, je pense que c'est le logement en fût neuf pendant 3 ans, et après le transvasement de cet armagnac dans un fût très, très ancien, qui est neutre, qui va permettre seulement l'échange avec l'air. Il me semble que c'est mieux que de loger directement dans un fût demi-usagé qui a 3 ans. Il faut un petit peu que cet armagnac fasse un peu ce qu'on appelle la maladie du bois. C'est que pendant 3 ans, il va se gorger de ce tanin puissant et après, il faudra qu'il le digère dans une pièce neutre. Mais il n'y a pas de traité précis pour la fabrication du bon armagnac. Il y a des règles, bien sûr, des cépages choisis, un alambic bien réglementé, déchets aussi sous contrôle, mais après, dans l'élevage, et chacun un petit peu conçoit la façon particulière dont il aime un petit peu fabriquer son armagnac. Voilà. Bon, l'usage du chêne est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a donc une évaporation de pourcentage d'alcool, mais aussi avec le temps, il y a une évaporation du volume. C'est-à-dire que le niveau de l'armagnac dans les barriques diminue. Et il faut tous les ans houiller, c'est compléter le niveau, re-remplir les barriques. On fait ça donc l'hiver. Pourquoi ? Parce que l'alcool se contracte avec le froid, donc le creux s'accentue en plein mois d'hiver. Et on re-remplit ces barriques avec le même millésime. Et j'ai à cet effet des cuves, comme ça, il y a 14 ou 15 grandes cuves, on appelle ça des foudres, qui me permettent d'ouiller le millésime correspondant. Donc, ces cuves, je prélève chaque année une partie de ces cuves pour ouiller le millésime correspondant. Il faut tenir les pièces pleines, sinon la perte s'accentuerait. S'il y a beaucoup de creux, beaucoup de vidanges, ça accentue le volume de perte. Donc, on attache de l'importance à faire ça donc, annuellement. On remplit l'hiver. Le printemps arrive, ça se réchauffe, donc petit à petit, l'armagnac avec la chaleur se dilate un peu, comble la perte qu'il y a progressivement,
jusqu'à l'automne prochain et à l'hiver prochain où le creux se reforme. Voilà. Ça vit au rythme des saisons. Voilà une forêt de chênes qui nous appartient. Une forêt qui a subi une perte importante lors de la dernière tempête, mais quelques individus ont subsisté. Malgré tout, en voilà quelques exemplaires. Des chênes donc, qui nous servent à faire nos propres barriques, qui poussent à côté des vignobles et qui sont. On a beaucoup de cœur à les utiliser parce que. Il reflète notre terroir dans l'absolu. L'Armagnac, on distingue trois zones en Armagnac. Il y a le Haut-Armagnac, qui est une région autour d'Auch, entre Condom et Auch, où il n'y a plus beaucoup de vignobles. Où le vignoble qui existe s'est converti en vin de Gascogne, pour la production de vins de pays. Il y a la région de la Ténarèse, qui est une région située entre Oise et Condom, autour de Condom, et qui déborde un peu aussi sur le Lot-et-Garonne. Et puis il y a la région du Bas-Armagnac, qui comprend cette zone d'Armagnac entre deux départements, l'Andegers, limitrophe entre ces deux départements. Voilà. Et donc différentes régions, des cépages commun à chaque région, mais avec quand même une aptitude de certains cépages pour tel ou tel terroir. Par exemple, sur les sols calcaires de la Ténarèse, il se distille beaucoup de nid blanc. Sur ces sols un petit peu sable fauve de ce bas Armagnac, c'est surtout de la folle blanche et du bacou qui sont distillés. Voilà, donc le cépage est un peu adapté au terroir aussi pour en finalité obtenir ce qu'il y a de mieux. Quoi, voilà. Moi je pense qu'il faudrait prendre quelques bouteilles, oui, on s'assoit tous autour et tout le monde bavarde, pourquoi pas. On va goûter du 86, ça commence à avoir une bonne évolution déjà. Et un 76 qui lui est accompli, voilà. On a deux Armagnacs là, qui sont 86, c'est sorti de l'adolescence, hein, et le 76 est vraiment aujourd'hui, dans un âge mûr, voilà. Et après, c'est une affaire de goût de chacun, de goût personnel, voilà. Je vais attraper des verres.